La joie, la sérénité et la liberté. Oui, je devais avoir 7 ans et on était à Hossegor pour les vacances d'été en famille. Ma découverte pour le surf, évidemment. Amour pour l'océan, passion pour le surf et la convivialité et la beauté de la nature d'ici. J'adore le gâteau basque et le fromage de brebis. Les deux. Plutôt vin, c'est le Pierre Ier Saint-Émilion Grand Cru. Famille et amis. La villa d'Arnaga à Cambo-les-Bains. La beauté de la nature, la richesse de toute la culture et la convivialité, la gastronomie évidemment. Bah, les fêtes de Bayonne. Littoral. En priorité, je les emmènerai à la Côte des Basques ou au phare de Biarritz. Au jaune pour le soleil et la chaleur et l'ambiance chaude d'ici. La musique que j'associerais à des vacances en Nouvelle-Aquitaine, ce serait celle-là, de Synapso. C'est vraiment la musique typique qui me fait penser à des vacances ici. On sort de l'eau d'une bonne session de surf, on est entre copains et copines et on prend l'apéro sur la plage au sunset. C'est typiquement cette musique-là. J'ai honte de le dire, mais j'ai jamais monté la rune et je suis jamais allée aux grottes de Sarre. Les fêtes de Bayonne, encore une fois, visiter Bordeaux et ses vignobles et les châteaux somptueux. Aller sur la dune du Pilat, surfer évidemment entre Hossegor et Biarritz, c'est là où il y a les meilleures vagues. Se plonger dans la culture basque. À personne. À tous les épicuriens parce que c'est une région pleine de richesses, notamment en termes de culture, de gastronomie, de sport, évidemment de festivités. Je dirais que c'est une région éblouissante, passionnante et très apaisante. Merci.